Et donc salut à tous, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Je se retrouve pour un glitch pour modder son RC Bandito en 1 minute les potos. Donc c'est un glitch super facile et vraiment super rapide que vous pouvez faire à l'infini, vraiment avec n'importe quel véhicule modé. Donc pour commencer, il vous faudra quelques prérequis malheureusement. Il vous faudra télécharger l'activité qui est dans la description, c'est très très important. Si jamais vous l'installez et qu'elle n'apparaît pas dans votre arène, vous faites comme moi sur l'écran, vous activez. Enfin, vous affichez les activités, et si jamais elle n'apparaît toujours pas, relancez votre jeu. Donc pour commencer, il vous faudra l'arène, donc juste l'arène, avec pas besoin d'avoir de garage ou quoi. Mais il faudra aussi un véhicule modé pour pouvoir transférer le modage. Donc moi j'ai pris ce véhicule-là. Vous allez monter à l'intérieur et vous allez faire flèche de droite pour entrer dans le mécano. Donc bien sûr, pour faire le glitch, il vous faudra le RC Bandito, il faudra l'acheter à 1 500 000 sur internet. Une fois dans le mécano, vous allez devoir acheter une pièce sur le véhicule, donc peu importe, moi j'ai fait le frein, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous allez remettre la pièce d'origine. Ensuite, vous allez descendre du véhicule, et là vous allez voir que vous aurez du coup le gros cercle jaune. Il va falloir s'avancer tout droit jusqu'à ne plus avoir le message appuyé sur flèche de droite pour entrer. Donc vous avancez, et au bout d'un moment vous ne l'aurez plus. Donc n'hésitez pas à bien regarder la vidéo pour bien voir comment moi je me suis mis. Après, c'est pas bien compliqué, normalement vous allez y arriver assez facilement. Et dès que vous avez plus le message d'erreur pour faire flèche de droite, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer. Donc maintenant, vous allez faire flèche de droite, ça va vous faire bugger et en même temps, ça va vous lancer la customisation du RC Bandito. Donc on fait flèche de droite, ça va vous mettre le téléchargement, donc comme moi, à l'écran. Ça va aussi vous mettre un écran noir. Et à la fin de l'écran noir, vous allez voir que votre véhicule sera modé. Donc voilà, votre RC Bandito est modé. Donc le glitch est terminé, il est vraiment très très facile, vraiment c'est super simple en 1 minute. Donc voilà, vous regardez bien que moi mon RC Bandito a changé. Tout à l'heure il était vert, maintenant il est violet. Donc maintenant pour le sauvegarder définitivement, vous allez changer une pièce sur votre RC Bandito. Donc vous changez ce que vous voulez ou vous le recustomisez totalement, ça c'est à vous de choisir. Et ensuite il sera à vous, vous aurez beau changer de session, faire n'importe quoi, il restera comme ça. Donc voilà, le poteau glitch est terminé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à aller dans la description pour télécharger l'activité. Et moi, je vous laisse avec la fin du gameplay. Bonne soirée à vous.